il y a beaucoup de monde, c'est la preuve d'un succès qui se renouvelle toutes les années. Est-ce que vous ne craignez pas un petit peu que la renommée de la ville de Beaune se résume au vignoble ? Non, alors vous savez que le vignoble et le vin jouent un rôle très important dans la ville de Beaune et dans la région. Alors naturellement, cette année, il y a une grande excitation sur les cours. Mais c'est justifié. Vous savez que cette année, la vente était présidée par Lino Ventura, qu'il anime des œuvres sociales et qu'un certain nombre de pièces de vin ont été vendues au bénéfice des handicapés, soit de l'œuvre de Lino Ventura, soit des œuvres locales. D'où cette grande excitation. Enfin, Beaune, c'est le vin pendant ses trois glorieuses et je crois que cette année, c'est une bonne année. Sans quitter le vignoble, une question d'un autre ordre. Il y a quelques mois, au cours de l'hommage aux vignerons, vous annonciez la création d'un festival de musique internationale. Oui, alors j'espère que ce festival, il y a des choses actuellement qui se passent, on le sait. Bon, certains événements. J'espère que ce festival, de toute façon, va continuer. Et si ce festival continue, eh bien, la subvention qui avait été promise sera accordée, car elle l'a été à l'ensemble de la région, pour favoriser notre renom touristique. Donc les Bourguignons n'ont pas de soucis à se faire. Je crois qu'ils n'en ont pas. J'espère que ce festival sera repris et continuera. Et que les subventions donc seront accordées, quelle que soit la personne. Absolument. Ceci est donné dans l'intérêt général et n'a rien à voir naturellement avec des cas particuliers.